À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent les journaux surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre Le mouton enragé, une histoire radiophonique d'Yvan Noé, et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. On a trouvé un billet de 10 000 francs avenue Gay à Nice. Tel est le bref fait divers qui nous fut adressé par M. Henri Desfour de Nice et à partir duquel Yvan Noé a imaginé l'histoire que vous allez pouvoir entendre dans un instant, Le mouton enragé. Lorsque je travaillais avec le metteur en scène Christian Jacques au film Souvenir perdu, j'ai eu l'occasion de visiter le bureau des objets trouvés. Là, dans une diversité effarante, s'entassent les innombrables épaves du trottoir, du métro, de l'autobus. On y découvre les choses les plus inattendues, les plus effarantes. J'y ai remarqué jusqu'à un crocodile empaillé, jusqu'à une couronne mortuaire. On y voit de tout, vous dis-je. De tout sauf des billets de banque, bien entendu. C'est que l'argent, c'est une autre affaire. Curieuse invention que l'argent quand on y pense. N'en pas avoir est un grand souci, mais en avoir trop est un souci non moins grand, assure-t-on. Les milliards, paraît-il, empêchent les milliardaires de dormir. Moi, je veux bien. Je pense en tout cas que celui qui n'a pas un sou doit dormir plus mal encore. Sans doute est-ce pour cette raison qu'Yvan Noé avait d'abord songé à écrire pour vous, sur ce fait divers qui parle d'argent perdu, une histoire pessimiste, sombre, douloureuse. Puis il a changé d'avis. Il a écrit au contraire une histoire optimiste, réconfortante. Nous croyons que vous lui donnerez raison lorsque vous aurez entendu Le mouton enragé. Vous êtes en retard, monsieur Lecas. Oh, il est 9h01, monsieur. 9h01 n'est pas 9h. Bien, monsieur. J'ai, moi, la responsabilité du travail. Est-ce que je pourrais voir le patron, monsieur? Je lui expliquerai. Le patron. On ne le dérange pas comme ça. Le patron, pour vous, c'est moi. Si vous avez une communication à lui faire, adressez-vous à moi, je transmettrai. Oui, monsieur. Alors, cette communication... Oh, non, rien, je vous remercie. Encore 2 minutes de perdu. Allez travailler. Le représentant du secteur ouest vous attend. Il n'est pas d'accord avec vous sur le relevé des commandes. Bien, monsieur. Cela vient probablement de ce que vous êtes distrait. Ici, le travail seul doit compter. Bien, monsieur. Allez. Oh là là. Salut, Henri. Bonjour, Charles. Excuse-moi, je te fais attendre. Oh, j'ai le temps. Dis donc, tu te faisais engueuler. Donc, en retard d'une minute. Oh, quel pauvre type. Pour une minute. Pour 10, ça serait la même chose. Tiens, voilà mon relevé de commande. Bah, j'y peux rien, je me lève pourtant à l'heure, mais il y a toujours quelque chose qui se met en travers. Voyons où est l'erreur. Je dors mal. Ah, tu manques d'air, ouvre ta fenêtre. C'est pas l'air, non? C'est tout ce qui se dresse sans cesse contre moi qui gâche mon sommeil. Bah, toi, au moins... Ah, moi, de l'air, j'en prends. Bah, t'as de la chance, tu peux emmener ta femme à la campagne le dimanche. Nous, le dimanche, on reste. On écoute un match à la radio. À la radio de la voisine. Mais c'est la seule distraction qui ne coûte rien. Alors à force de les entendre courir et hurler, on en a des crampes dans les jambes. Oui, bah alors fais comme moi, change de boulot. Ouais, c'est facile à dire. Et moi aussi j'étais comme toi. Je suis devenu représentant. Maintenant, je suis un homme libre. Libre? Mais longtemps que je voudrais. Ah, il faut 100 000 francs. Le patron a peur qu'on se débine avec sa quincaillerie. Mais c'est pas impossible à trouver, la preuve.
Ah ben pour moi, si. Veux-tu que je dénisse une somme pareille? Moi, c'est mon père qui me l'a prêté, le cher vieux. Bon, je lui ai d'ailleurs presque tout rendu. Là, tu n'as pas quelqu'un qui pourrait... Un parent, un copain? Il va justement y avoir une place libre dans le secteur nord. Non, non, personne. Personne, personne? Non. Oh, voyez. Il y a bien l'oncle Arsène. Tu vois. Oh, mais l'oncle Arsène, il ne marchera jamais. Si tu pars battu, qu'est-ce que tu en sais? Essaie. Il faut savoir se jeter à l'eau. Oui, mais quand les autres se jettent à l'eau, ils s'en sortent. Oui, oui, ils se noient. Eh ben moi, j'attraperai un rhume de cerveau. Oh, quel type tu fais. Oui, un pauvre type. Dis, si on travaillait, dis. Dis donc. Quoi? Un représentant comme toi, ça gagne combien? Bon, 30 000 au moins. 30 000? Oui, en plus du fixe, naturellement. Oh là là, mais non. Je pourrais emmener Germaine en balade, on mangerait sur l'herbe. On serait content. Et bien sûr. D'autant que tu aurais une voiture. Ah bah une Packard, tu penses? Mais si, la maison loue des petites voitures aux représentants pour presque rien. Tu sais conduire. Ah oui, oui, j'ai l'air comme ça de ne rien savoir faire, mais je sais des choses, tu sais. Tiens, pendant la guerre, je conduisais des poids lourds. Et dans l'aviation, j'étais rampant. Bon, c'est les autres qui volaient, naturellement. Et en revenant, tu n'as pas trouvé autre chose? Oh non, non, j'avais tellement marre d'avoir été prisonnier que ça m'a paru le paradis. C'est curieux, à force, on devient de moins en moins difficile. Monsieur Lecas, vous en avez fini avec ce relevé? Oui, oui, presque, on a retrouvé l'erreur, soyez tranquille. Dépêchez-vous. Tranquille. Comme ça, il nous fichera la paix. Dis, Germaine. Quoi? On a causé avec Charles ce matin. Va bien? Mais il va y avoir une place de représentant à prendre. Faut toujours la caution? Oui, oui. 100 000 francs. C'est pas avec tes 24 000 par mois? Ah non. Dis donc, tu crois pas si on demandait à ton oncle Arsène? Tu le connais? Lui demander ça, 100 000 francs? Ben oui, mais c'est une affaire, quoi. Enfin... Ben oui, mais bien sûr, mais il est méfiant. Ben tu es sa seule héritière. Dans 20 ans, s'il lui arrive un accident... Eh ben, l'accident pourrait bien nous arriver avant. Qu'à mourir de faim. Oh, oh. Oh, écoute. Non. Mais bon, on pourrait tout de même essayer, non? Oh, pff, évidemment. Bah, va le voir. Qu'est-ce que tu risques? Qu'il refuse? Eh oui. Bah, c'est drôle, cette manie qu'ont les gens d'attendre d'être morts pour vous faire des cadeaux. Oh, j'oserais jamais, moi. Pense sur toi. Oh. Mais si. Mais non, je suis paralysé devant les gens qui pourraient m'aider. Je peux pas. Mais pourquoi? Mais tu les vaux bien. Ouais, peut-être, mais ils savent pas, ça. Mais si tu voulais... Oui, oui, ben, je sais pas ce que c'est. Ben, peut-être ce veston râpé, ces souliers, je peux pas changer. Cette impression de ne pouvoir jamais disposer de 50 balles pour t'acheter... Tiens, un journal de mode. Oh, qu'est-ce que j'en ferais? Tu es courageuse, ma pauvre Germaine. Non, je t'aime. Ton oncle, il me prend sûrement pour un crétin parce que depuis 5 ans que nous sommes mariés, je te prive de tout. Mais non. Tu es pas tendre, toi, tu sais. Ah, ça oui. Eh ben tiens, il y a un train à 2h10. Un train? Pour Villemomble. Toi, tu irais chez l'oncle Arsène? Si on veut essayer et que toi, tu n'oses pas, eh ben... Non, mais tu iras? Oui. Mais quand? Cet après-midi, pourquoi pas? Parce que tu es chic. Mais tu sais, te fais pas trop d'illusions. Non, mais tout de même, on sait jamais. Ton empoté de mari, il va bien? Oh, oncle Arsène! Eh oui, je sais que tu l'aimes, enfin. Il va très bien. On est très content de lui au bureau. Le patron lui a même offert une place de représentant. Ça doublerait ses appointements. Eh ben, tant mieux. Seulement, il faudrait qu'il dépose une caution. Naturellement. 100 000 francs. Et nous ne les avons pas. Dommage. Alors, j'ai pensé que vous, peut-être... Vous... Ouais. Ma petite Germaine, où voudrais-tu que je les prenne tes 100 000 francs, hein, ou? Je ne sais pas, mais vous avez bien... Ah, j'ai de quoi vivre tranquille, bien sûr. Je l'ai mérité. J'ai travaillé pendant 50 ans pour assurer mes vieux jours. Ils sont arrivés. C'est pas le moment de faire des bêtises, de dilapider mon capital. Mais il ne s'agit pas de ça. Henri m'a expliqué. C'est une affaire. Une affaire. Si c'était vraiment une affaire, il aurait déjà trouvé quelqu'un pour s'y intéresser. Il n'a trouvé personne? Ben... Hein? Alors, pourquoi moi? D'ailleurs, ce capital, ben,
Je serais bien content de le trouver plus tard. J'ai tout de même 66 ans, tu es ma seule héritière. Je pense pas à ça. Mais tu penses à venir m'emprunter de l'argent? Hein, vois-tu ma petite fille dans l'existence, il ne faut compter que sur soi-même. L'économie à tout instant. Non, je vous assure qu'avec 24 000 j'ai francs... J'ai commencé à 50 francs par mois, moi. Seulement, j'ai été mollo, pas de rigolade, pas d'excès. Aussi, j'ai une bonne santé, des rentes en bon placement. La jeunesse d'aujourd'hui n'a plus cette mentalité. Et c'est regrettable. Le travail, c'est la liberté. Oh. Et remarquez que je vous aime bien. Un petit billet de temps en temps, je dis pas non, je l'ai fait, mais je le referai, mais pour le reste, non, hein. Vois-tu, ma petite fille, ton mari est un brave garçon, mais il manque de cran, pas assez d'audace, d'initiative, trop timoré. N'en croyez pas ça, s'il avait seulement... N'en parlons plus, hein. Les histoires d'argent, ça brouille, et je veux pas qu'on soit brouillé, hein. Qui cherche ailleurs? Vous savez, nous ne connaissons personne, mais en tout cas, pas des millionnaires. Ah, mais je ne suis pas millionnaire, moi, bon sang. Hein. J'avais pensé que vous pourriez... Sois tranquille, tiens. Demain, je dois aller à Paris, je viendrai prendre le café chez vous. Je le secourrai un peu, ton mari, il en a besoin. C'est le meilleur service à lui rendre. Henri! Ah, tiens, tu m'as fait couper. Encore une journée qui part mal, zut. Il est 8h15. Non, mais je suis prêt. Non. Voilà ton café. Merci. Assieds-toi au moins. Pour boire de l'eau, tu sais. Prends une tartine. Une tartine d'air pur, non, j'ai pas faim. Tiens, j'ai l'oncle Arsène sur l'estomac. Mais n'y pense plus, on trouvera autre chose. Le Père Noël, hein. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Tiens! Allez! Mon lacet est cassé, ben, comme ça s'y met, je te jure. C'est un nœud! Oui. Ne t'énerve pas. Allez, ce soir, fais un effort. Sois aimable avec l'oncle. Mais on sait jamais. Et encore, plus le culot de venir boire mon café. C'est... Embrasse-moi. Non. Allez, je file. Au revoir, chérie. Hein. Ah, Germaine. Quoi? Achète de la mort orale. Pourquoi? Pour mettre dans son café. Oh, idiot, hein. Moins 3, je suis en retard. Oh, zut, le second lacet. Ah, ça, c'est pour me mettre en avance. Qu'est-ce que c'est que ça? Un portefeuille? Un gars qui était trop pressé. Et bien, naturellement, quand on en a besoin, pas un flic en vue. Il faut me taper le commissariat, maintenant. Oh, 9h. Oh, j'ai pas le temps, ils vont me demander des tas de trucs et... Et là, je serai tout à fait en retard, non? Bah, j'irai à midi en sortant du bureau, tant pis. Monsieur Lequin, vous êtes en retard. Oui, je sais. C'est mon lacet, monsieur. C'est bon. Mettez-vous à votre travail. Bonjour, Henri. Il est de mauvais poil. Bonjour, Denise. Comme tous les jours. Hein. Je vous ai préparé les factures à encaisser, à vérifier pour demain. Merci. Un portefeuille. Il y a qu'il y a des gars qui perdent des portefeuilles. Bon, ça, c'est 95, 96, 97. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce portefeuille? 609, 610, 11... S'il y a une carte d'identité, je lui rapporterai moi-même. Ce sera moins compliqué que la police. 702, 3, 4, 4... Denise! Denise, oui, il en manque un, là, la 705, vous l'avez? Oui, le patron a dit de la garder pour le mois prochain. Un client qui ne peut pas joindre les deux bouts, ça. Comme tout le monde. Oui. Il y a peut-être de l'argent dans ce portefeuille. Tiens, ça serait marrant, ça. Il faut que je voie ça. Bon, ici, c'est pas possible, le chef me tomberait sur le poil. Je vais... Où allez-vous, monsieur Lequin? Quelque part. Ah, vous fichez pas de moi. Non, quelque part, ça veut dire au water, monsieur. Déjà? Vous êtes à peine arrivé. On ne commande pas la nature. Allez, c'est bon, faites vite.
crocodile. Ma parole. Et dedans. Oh, nom de Dieu. Du fric. Oh, des billets, des billets de 10 000. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça fait 100 000 francs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des lettres, hein? Des lettres, oui. Des lettres. Une carte d'identité. Ah, tiens, intéressant. Qui c'est? Monsieur Bordier, négociant. Oui, mais en faire une gueule, négociant. Ah, bah, du moment qu'il y a l'adresse, ça m'évite le commissariat, c'est toujours ça. Germaine. Eh ben quoi? Non, viens, viens, faut pas qu'on nous entende. Mais pourquoi? Par le bas. Tiens, regarde. Oh. J'ai trouvé ça dans la rue ce matin, dans mon bureau, ce portefeuille. Oh mon Dieu, des billets. 100 000. 100 000 francs? Oh, tu sais, ça va pas loin, tu sais. Après, quand même, il faut presque 4 mois pour gagner une somme pareille. 4 mois, tu te rends compte, non? Il y a une carte d'identité. Mais... Regarde. Oh, il s'appelle Bordier négociant. Oui. Il faut tout de suite que tu... Non, 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 t'es folle. Quoi? Non, non, j'ai eu le temps de réfléchir pendant cette matinée. Mais Henri, tu ne veux pas... Si. On t'a peut-être vu. Non, non, non. Oh, mais tu peux pas savoir. Mais si, si, je l'ai aperçu sous le porche d'une maison en renouant mon second lacet. Alors, j'ai regardé le numéro et je suis entré très naturellement. Personne n'a pu me voir. Tu avais déjà l'idée de... Mais non, 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 non. J'ai mis le portefeuille dans ma poche revolver. On aurait dit qu'il était chaud. Il m'a brûlé la peau pendant toute la matinée. Henri, tu peux pas faire ça. 100 000 francs, Germaine, c'est la caution de représentant. Oui, mais c'est pas honnête, Henri. Non, Henri, non, nous ne pouvons pas. Mais si, nous pouvons, il n'y a qu'à les garder. C'est pas honnête, je te dis. Mais la vie, elle est honnête, elle. Oh non, bien sûr. Voilà. Oh, évidemment, on les vole pas. On les lui rendra? Ben oui, c'est ça, plus tard. Tiens, je les déposerai d'abord pour la caution, puis après... Et chaque mois, on mettra un peu de côté sur ta commission. Oui, c'est ça, puis on les rendra. Mais si ça lui fait besoin... Ouais, ben il avait qu'à pour les perdre, cet imbécile. Il l'a pas fait exprès? Évidemment, il l'a pas fait exprès. Il est peut-être ennuyé? Ennuyé, mais nous ne sommes pas ennuyés, nous. Ça n'a pas de rapport. Mais ce serait trop bête d'avoir une occasion pareille et de rester là à crever d'honnêteté. Donc, pour une fois qu'on a l'occasion de ne pas marcher pieds nus... Écoute, Henri... Ben quoi, je n'ai pas raison, non? Si, peut-être, mais... Ben alors? Il faudrait tout de même savoir si lui n'en a vraiment pas besoin. Eh ben, si s'il n'avait pas eu de carte d'identité dans le portefeuille, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu les aurais rapportés au commissariat de police? Oh, ça aurait pas été la même chose. Ça aurait été de l'argent... Perdu? Non, anonyme, non. Bon, si tu veux. Tandis qu'il appartient à ce Bordier, il faut que... Oh, je sais pas... Que tu te renseignes d'abord. Et après? Après, on verra. Si vraiment il n'en a pas besoin, si on est sûr que... Bon, 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 soit. Alors, cet après-midi, je vais encaisser les factures dans le quartier au mur. C'est par là qu'est sa boîte à ton Bordier. C'est sur les papiers du portefeuille. Oh, oh, mon Bordier. Eh ben, je me renseignerai, là. T'es contente? J'aime mieux ça. Oui. T'es chic, Henri. Embrasse-moi. Hein? Oui. Oh, je savais bien que... Oui, oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, à table. Je crois que je vais avoir bon appétit. Vous désirez? C'est bien la maison Bordier, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, la plaque n'est pas assez grosse sur la porte. Si, très grosse, en effet. Que désirez-vous? Écoutez, je m'excuse, il y a marqué importe-exporte. Oui. Alors j'ai pensé que peut-être je pourrais... Non, attendez. Quelle marchandise faites-vous? Toutes. Toutes? Mais oui, surtout les tissus, mais aussi les locomotives, les sardines. Les locomotives, sardines. Oui, mais pourquoi vous avez des sardines à vendre? Ah non, 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 je m'excuse. Parce que si vous en avez, M. Bordier ne s'intéresse qu'au-dessus d'1 million de boîtes. Ah, c'est ça.
Un million de boîtes de locomotives. Oh. Non, de sardines. De sardines. Mais un million, ça fait combien? Ah, ben, à 7 par boîte, ça fait 7 millions de sardines. Ça doit rapporter gros, ça. Oh. Enfin, je vous remercie, mademoiselle. Merci du renseignement. Mais je ne vous ai donné aucun renseignement. Aussi, si, si. Très précieux, même. Au revoir, mademoiselle. Merci. Monsieur? J'en nous assez pour un renseignement. Je voudrais savoir ce manteau en vitrine que j'ai vu. Celui-ci? Non, 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 celui-ci à 10 500 francs. C'est quelle fourrure? Oh, ce n'est pas de la fourrure, monsieur, c'est une étoffe. Très belle imitation. Ah bon, ça n'est pas de la fourrure? Oh, mais il est très joli, c'est un très bon article, solide, chaud. Oui, 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 bien. Nous l'avons en différentes tailles. Non, écoutez, non, je préfère revenir avec ma femme, vous comme savez. Comme vous voudrez. Nous l'avons aussi en différentes teintes, naturellement. Non, non, merci, non, je reviendrai, mademoiselle. Bientôt? Oh, pas tout de suite, je vais seulement avoir une nouvelle situation, alors il faut tout de même quelques temps. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Ah, ces chaussures de dame, là, à gauche, c'est quel prix? 3 200 francs, monsieur. 3 200 francs? Oui, c'est ça. Oh, merci. Au revoir, mademoiselle. Eh bien, écoute, il n'y a pas sans faire. Hein. Ce bordier, ben, il vend tout. Des sardines, par exemple, par 7 millions à la fois. Tu te rends compte? Par 7 millions? Oui. Et puis, il ne sait plus quoi faire de son argent tant il en a. Oh! Si. Ben, en tout cas, 100 000 francs, qu'est-ce que c'est pour lui? Ben, c'est comme 100 sous pour toi. Et encore. Oh, c'est mieux comme ça tout de même. C'est... Bon, s'ils avaient appartenu à un type qui en ait vraiment besoin... Tu les aurais rendus? Ben, naturellement, oui. Mais pourtant, tu disais que... Oui, bien sûr, je disais, mais de là à le faire, seulement avec un type comme ce bordier... Oh, Henri, je suis heureuse. Oh, être un peu tranquille, ce sera merveilleux. Oh, tu te rappelles, au début de notre mariage, la vie était moins chère, on était heureux. On allait même danser le dimanche en banlieue. Oui, ça fait 5 ans déjà, hein. Ma pauvre Germaine, je t'en ai fait voir. Hein. Mais pas toi, la vie. Mais ça va changer, tu verras, tiens, tiens, je sens qu'on a un peu d'avance. Hein. Je pourrais même chercher une autre place, et puis alors... Oh, je suis heureuse. Tu es heureuse, pas parce que je suis un voleur. Oh non, non, idiot chéri. Oh non, puisque tu les rendras. Non, ben, il n'a même pas dû s'en apercevoir qu'il a perdu cet argent, tu sais. Oh, sûrement pas. Ah, dis donc, tiens, je suis passé au magasin de confection du coin, tu sais. Oui. Ah, il a des costumes très bien pour 14 à 15 000 à crédit. On peut payer 2 000 par mois. Ouh là 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 là, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va faire des folies. Non, non, tu as raison, mais maintenant que je vais être représentant, je ne peux pas sortir avec un costume qui a les coups de luisant, non? Oh, hein? Non, non, c'est... Et puis, il me faudra une autre cravate. Tiens, on va voir quelque chose. Oui. Et ce soir, on fait une petite noce. Ouh. Sans toucher aux 100 000, hein, sois tranquille. Alors, c'est pour la caution, ça, on n'y touche pas. Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a à dîner? Ben, j'ai de la soupe, croquettes que j'ai fait avec les restes, de la purée. La purée, croquettes, soupe, ça peut attendre demain, non? Ben alors on ne mange pas. Ah ben si, on va chez le père Bouju. Oh, t'es fou. Non, 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 tiens, ben du coup, 2 menus à 175, 2 carafons de vin, hein? Ça ne fera même pas 500 francs. Ben on va claquer 500 francs. Puis d'ailleurs, j'ai une tirelire. Que tu m'avais caché? Eh oui. Non, mais c'était pour Noël, hein. Mais à Noël, on a le temps. Alors, c'est d'accord? Je te reconnais plus. Mais tu sais, 100 000 francs, ça change un homme. Allez, hein. Partons vite. Il faut être revenu pour le café de l'oncle Arsène. Je mets mon chapeau. Oh, je suis heureuse, Henri. Un anniversaire, monsieur et madame Lecas. Ah non, non, mieux, c'est une petite fête. Vous tombez bien, les amoureux. Aujourd'hui, il y a des croquettes de viande, de la purée de pommes de terre et du fromage. Bravo. Et pour commencer, une bonne soupe, hein? C'est ça. Merci. Et l'apéro, ben, c'est moi qui vous l'offre. C'est ma tournée. Patronne,
La preuve, 3 ananas au pépère, hein, pour les clients. C'est merveilleux. C'est le même menu que le mien. Mais c'est ça qui est merveilleux. Encore un peu de café, oncle Arsène? Non, non, il est trop fort, il m'empêcherait de dormir. Tu mets trop de café, Germaine. Bah, quand on a un invité. Ouais, 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 ouais. C'est très gentil, mais c'est sur les petites choses qu'on doit économiser. Oh, au diable l'économie. Qu'est-ce que tu dis? Je dis au diable l'économie, quoi. Faut pas être timoré, il faut de l'audace, de l'initiative. Et ben, même dans le café, il faut de l'initiative. Je ne te reconnais plus. Ben, vous n'avez pas fini de pas me reconnaître. Tiens, à propos, vous savez que je l'ai, ma caution. Tu l'as? Mm-hmm. Par un copain que j'ai rencontré par hasard. Et t'as... Oui, oui. Ah, lui, on peut dire qu'il a sauté sur l'occasion. Hein. Bon, c'est vrai, 100 000 francs pour lui, c'est rien. Quoi. Une paille, c'est un négociant en gros, alors. Il fait les sardines, oui, par millions de boîtes. Ah. Oui, oui. Pour lui, c'est intéressant, Marquis. Quoi. Je lui mettrai de côté 5% de mes commissions chaque mois. Mais combien tu peux faire? Combien je peux faire? Bon, je sais pas, moi... Hein, Germaine? 30 000? Oui, oui. 30 000, peut-être, oui, peut-être plus. Tant que ça? Ah oui, oui, puis en plus de mon fixe, alors ça lui a fait du ça lui fait du 18%, là. Minimum, hein, minimum. C'est dommage que vous n'ayez pas voulu faire l'affaire. Bah, remarque, j'avais pas dit non. Non, 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 ce sont des choses qui nécessitent réflexion. 100 000 francs, c'est 100 000 francs. Mais 18%, c'est 18%. Oui. Et il a pas hésité, ton ami? Oh, pas une seconde, j'ai même pas eu à lui demander, alors. Et il te les a versés? Je sais pas, vous voulez les voir? Tenez. Je les ai sur moi, là, dans ce portefeuille en crocodile. Oui, il m'en a même fait cadeau du portefeuille. Et puis, demain, je vois le patron, et le mois prochain, ça y est, la vie est belle. Et vous? Alors, la pêche, l'ouverture, ça a donné, oui? Oui. Tenez, moi, je reprendrai bien un peu de café. Hein. Avec du sucre, Henri? Non, non, 3-3, mon chéri. Voilà, chéri. Mais non, c'est pourtant vrai, hein. Tu le fais bien. Il est bon, hein? Dis donc. Oui? Ton copain. Oui. Si tu lui rendais ces 100 000 francs... Je suis pas fou, non, mais... Attends. Les affaires avec les amis, tu sais, c'est toujours... C'est de quoi? Un peu embêtant. Bah, les affaires, il vaut mieux qu'elles restent en famille. Dans un sens, oui, bien sûr. Moi, je pourrais peut-être te les prêter, ces 100 billets. Vous? Ah bah, oh. Si ton ami ne doit pas se vexer, que tu le laisses tomber. Oh, non, elle se vexera pas, non. Je pense pas. Enfin, pour lui, 100 billets, ça n'existe pas, je vous l'ai déjà dit. Oui. Et puis on est si intime, hein, Bordier et moi. Bien sûr, oui. Ça ne sera pas pour ça, non. Mais seulement, voilà, vous ne les avez pas. Ah, ben justement, si j'ai touché un emprunt à l'eau, alors... Ah, ben non, si ça vous rend service, mais je voudrais pas que... On pourrait même faire une sorte de viager. Tiens, regarde, je les ai, tes 100 000 francs. Non, pardon, les vôtres. Je te les donne, ils sont à toi. Tu verses la caution, puis chaque mois, tu me remets les 5%, quoi, que ce soit à moi ou à ton copain. Non, bah, c'est la même chose, évidemment, mais je vous les rends quand? Non, parce que mon copain, lui, vous savez... Jamais. Comme, jamais? Mais un viager, je te dis. D'autant que c'est presque de l'argent à vous, puisque j'ai remis... Oh, parlez pas de ça, Carcel. Ah, bon, non. Oh, ça viendra bien, bon, on n'est pas éternel. Et là? Ah oui, c'est la vie. C'est entendu, Henri? C'est bien pour ne pas vous désobliger. Hein, tu lui rends son argent, puis tu déposes ta caution dès demain. Bon, d'accord. Alors, je vous fais un papier. Oh, mais ça presse pas. Si. Tiens, donne du papier, Germaine, tu veux? Oui, voilà. Les bons comptes, hein? Ah, oui. Voilà. Chérie? Non. Tu sais, je rigole en repensant à la tête de l'oncle. Dès qu'il a cru qu'un autre marchait, il en bavait de voir l'affaire lui filer sous le nez. Oh, tu étais formidable, Henri. Dis donc, c'était pas une bonne idée, mon petit dîner chez Bouju? Oh, si, très bonne. On a été comme des amoureux. Mais on est des amoureux. Henri. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as, Sia? Oh, tu es sûr qu'ils sont toujours là? Qui? Les 200 billets. Mais où veux-tu qu'ils soient, rien? Si on nous les avait volés. Mais on n'est pas sortis depuis que l'oncle est parti. Ah, oh, j'aime mieux tout de même les voir. Je sais, c'est stupide. C'était si bien. Mais il faut que je me lève. Je pourrais pas dormir. Mais 200 000 francs, tu penses? Allume. Oui. Là.
Quoi? Ah, ils sont là dans ta poche revolver. Tu vois. Ah, oh, c'est fou ce que ça tient peu de place, 200 000 francs. Pas plus que le carnet de l'épicier. Mais ça ne fait jamais que 20 billets. Faudra lui rapporter ses 100 000 francs à Bordier. Oui. Oh, plus tard, j'aimerais avoir un petit chien. Tu es folle. Écoute, un chien ici. Bon, pas de chien tant qu'on ne pourra pas déménager. C'est ça. Allez, bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Vous êtes en retard, monsieur Lequin. Oui, de 10 minutes. Quoi? Je dis oui, de 10 minutes. Et vous en êtes fier? Oui, assez, oui. J'ai de grosses affaires à régler ce matin. Pour le bureau? Non, pour moi. Mais vous êtes ici pour... Non, d'abord, je vais voir le patron. Vous ne pouvez pas. Vraiment? Je dois vous annoncer. Eh bien, annoncez-moi. Pas avant que vous me disiez pourquoi. Pour lui demander de me débarrasser de votre charmant visage. Que je... Quoi? Je ne veux plus vous voir, je deviens représentant libre. Vous comprenez? Libre. Je pourrais travailler à l'heure qui me plairait et aller faire pipi sans vous demander la permission. Oh! Oui, c'est comme ça, alors vous m'annoncez oui ou non? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais j'ai trouvé et perdu quelque chose. Hein? Oui, j'ai trouvé 200 000 francs et perdu un complexe. Je ne comprends pas. 200 000 francs, vous savez ce que c'est? Non? Eh bien, regardez. Et voilà. Et quant au complexe que j'ai perdu, c'est le complexe du miteux, du pauvre type qui n'a pas 1 000 francs dans sa poche. Vous ne comprenez pas, ça n'a pas d'importance. Le directeur, je vous prie. C'est par ici. Oh, elles étaient excellentes, tes croquettes, ma chérie. C'est... Meilleure que celle du père Bouju? Tu penses, encore meilleure, oui. C'est pourtant du réchauffé. Peut-être, mais depuis ce matin, je suis représentant. Ça change tout, même le goût des choses, tu vois. Ton café, monsieur le représentant. Merci, madame la représentante. Avec 2 sucres, n'est-ce pas? Je n'ai plus à épater l'oncle, maintenant. Et tu vas rapporter son argent à Bordier? Oh, ben maintenant, on n'en a plus besoin. Hein. Tu iras? Bien sûr, mais enfin, il n'y a pas le feu. Dis-donc, est-ce que par hasard, tu me croirais malhonnête? Hein? Allez, moi, je file. Allez. Au revoir, ma chérie. Au revoir, chérie. Je t'aime. Je suis fière de toi, mon Henri. Il y a toi, hein? Bonjour, madame Evelyne. Ah, bonjour, monsieur Lepard. Pressé? Mais toujours, oui. Au revoir. On peut entrer, madame Evelyne. J'ai acheté un nouveau café, je veux que vous le goûtiez. Il est très avantageux. Asseyez-vous, je finis ma vaisselle, posez la cafetière sur le plateau. Tenez. Vous avez le journal. Dans 2 minutes, je suis à vous. Oh, le journal, eh ben, c'est toujours la même chose. Conférence à 3, à 4, à 8, à 12. Mon Dieu, mais où s'arrêteront-ils? La paix. Il ferait mieux de la faire que d'en parler. Allez, vote à la chambre. Donc, moi, j'y comprends rien. Non, moi, j'aime mieux les faits divers. Ah, pas pour ça? Oui, ou les petites annonces. Tiens, la personne qui a été vue ramassant un portefeuille contenant des papiers, plusieurs billets de 10 000 francs et une carte d'identité au nom de B. Négociant, est priée de le rapporter d'urgence. Mais qu'est-ce que vous avez, madame Germaine? Oh, rien, je suis maladroite, rien. Bah, s'il a été vu, ce type-là, évidemment, il risque... Mais quoi? Il y a la loi. Quelle loi? Oh, ça, je suis très calée là-dessus. Papa était gendarme, alors vous comprenez. Mais oui, dites. Eh bien, celui qui trouve un objet, on l'appelle l'inventeur. Oui, ça vient du grec, à ce qui paraît. Alors? Eh bien, l'inventeur a droit à 10% de récompense s'il rapporte l'objet dans les 24 heures. Dans les 24 heures? Oui. Et s'il ne le rapporte qu'après? Il a droit à une contravention? Non. Mais c'est comme je vous le dis. Mon Dieu. Mais quoi? Excusez-moi, je suis obligée de téléphoner à Henri pour quelque chose d'important. Mais il vient de vous quitter. Quelque chose que j'ai oublié. Excusez-moi, je reviens. Mais mon café. Tout à l'heure. Monsieur Bouchu. Bonjour, Mme Lecoeur. Il faut que je téléphone, c'est pressé. Tellement j'ai oublié mon porte-monnaie. Non, mais c'est pas grave, vous me tairez demain. Vous savez où c'est, ah, hein? Oui, monsieur Bouchu, oui. Oh, mon Dieu, il faut le prévenir. Il va être affolé, se faire prendre, il est si timide. On va l'accuser. Il faut qu'il les rapporte. Il faut les renvoyer par la poste. Ah, voyons. M, 2, 8, 15... Allô?
Ménilmontant 2815. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Lecas? Oui, oui. Oui, je suis madame Lecas. Ah, merci, mademoiselle Simone. Quoi? Oh! Il a emporté des encaissements à faire et ne reviendra au bureau qu'après? Ah non, 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 merci, non. Pas de commission, non. Au revoir. Oh, oh mon Dieu, mon Dieu. Il est sûrement allé chez Bordier d'abord. Oh, pourvu que j'arrive à temps. Ainsi, jeune homme, vous avez retrouvé mon portefeuille. Oui, monsieur, oui. Asseyez-vous. Merci. Une cigarette? Alors, d'habitude, je ne fume pas, mais aujourd'hui... Ah, moi, je fume trop. Le cigare. Oui, c'est ma faiblesse. Comme Churchill. Ça finira peut-être par me jouer un sale tour, mais ce qui est pris est pris, hein. Tant qu'on peut le supporter. Je n'ai pas raison? Ah si, vous avez raison. Tenez, voilà l'objet. Tout y est. Je n'ai même pas eu à regarder les papiers d'affaires, la carte d'identité était dessus. Et les billets dans la pochette. Vous les avez tout de même regardés, eux. Ah, mais j'ai fait mieux, je les ai montrés. Quoi? Aucune importance. 2, 4, 6 et 10. Et où l'avais-je perdu, ce portefeuille? Avenue de la République. Ah oui, oui, je vois, c'est en entrant au conseil d'administration. Oui, probablement le bureau où je travaillais, tout à côté. Quand l'avez-vous trouvé? Hier matin. Je vois. Et quand avez-vous lu le journal? Le journal. Ah, vous n'avez pas lu votre journal ce matin? Ma foi, non, non. Je ne le lis qu'avant de me coucher, ça repose. Alors pourquoi ne venez-vous me voir qu'aujourd'hui? Vous croyez que j'ai que ça à faire, moi, apporter des portefeuilles perdus? Ainsi, vous n'avez pas lu mon petit entrefilet? Écoutez, monsieur, je ne comprends rien du tout. Non, non, mais je ne doute pas de votre sincérité. Eh bien, j'avais inséré une annonce précisant que vous aviez été vu ramassant le portefeuille. Moi, que je... Non, 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 c'est un truc qui réussit parfois. Ah. Oh, je ne crois guère à l'honnêteté. Et j'avoue que je suis assez surpris. À une époque où on aurait plutôt tendance à faucher. Parce que 100 000 francs, hein, tout de même. Dites donc, vous avez raison, 100 000 francs, tout de même. Hein. C'est beaucoup. C'est... Bon, après tout, ce n'est qu'un commencement, 100 000. Hein? Ouais. Eh bien, monsieur... Lecas. Monsieur Lecas, il ne me reste plus qu'à vous remettre la petite récompense d'usage. Ah non, monsieur, non. Non, non. Comment non? Non, non, vraiment, non, vous ne me devez rien, non. Non, mais cependant... Ah, oh, c'est à cause de mon costume. Non, non, mais... Non, non, mais j'ai un travail poussiéreux à faire en rentrant au bureau, alors je me suis mis en salle pour ne pas perdre de temps, mais... Je me promène pas comme ça d'habitude, non. Évidemment, j'aurais pu par correction, étant donné... Non, non, ne vous excusez pas, je vous en prie, vous vous êtes déjà dérangé. Vous êtes très travailleur, à ce que je vois... Ah, oh, très, oui, très. Et exact, exact. Et honnête. Eh oui, honnête. Ben, ça fait pas mal de qualité, tout ça. Oh, vous savez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Lecas? Représentant. Ah, oui. Et vous êtes content? Très, 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 très. Dans quelle partie? Tissu, mais je suis capable de vendre n'importe quoi. Des locomotives, des sardines. Oui, oui, des... Oh, je m'en doute. Bon, je m'y connais en homme. Pas timoré, de l'initiative... Ça ne vous dirait rien d'entrer chez moi? Oh, ben... Combien gagnez-vous par mois? Oh, ben, c'est difficile à dire. Tenez, hier au soir, d'un seul coup, j'ai gagné 100 000 francs. Ah, ben, décidément, 100 000, c'est votre chiffre porte-bonheur. Ah, mais je ne fais pas ça tous les jours, oui, ben, naturellement, naturellement. Chez moi, vous pourriez avoir 50 000 de fixe? 50 000 de... Plus 50 000 pour vos frais de représentation, naturellement. Ah, pour mes... Oui, oui. Et puis vos pourcentages, bien entendu, à toutes les fins de mois. Ah, oh, bah, je pense bien, bien entendu, évidemment. Eh ben, venez donc bavarder de ça un de ces jours. Ben, oui, oui. Oh, ben, ça vous engage à rien. Mais franchement, j'aimerais vous avoir dans mon équipe. Un garçon comme vous. Voulez-vous mercredi? Quelle heure vous conviendrait? Oh, ben... Germaine, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, trop tard. Mais
Quoi, de quoi, trop tard? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Oh, dis vite, Henri, qu'est-ce qui t'a fait, je t'en prie? Mais qu'est-ce qui m'a fait quoi? Qui? Qui? Bordier, voyons, Bordier. Mais il n'y en a rien fait, mon chéri. Écoute, dépêche-toi, Henri, dépêche-toi, tu me fais si peur. N'aie pas peur, mon amour. Tiens, tu sais ce qui m'a fait? Oui. Une chose affreuse, une chose terrible. Quoi? Oh, abominable. Henri, je t'en prie, voyons. Eh bien, il m'a proposé une situation de 150 billets par mois. Oh. Mais alors, mon chéri, tu ne vas pas tomber dans les pommes, non? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à un monsieur qui a 100 billets derrière lui? Le Mouton enragé, nouvelle radiophonique d'Yvan Noé, était interprété par Pierre Trabeau dans le rôle d'Henri et Geneviève Morel dans le rôle de Germaine. Avec Florence Brière, Lisette Lemaire, Lucienne Le Tondal, Gaëtan Jor, Pierre Leproux, Yves Duchâteau, André Vasselet et Albert Gercourt, l'oncle Arsène. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marié, assistant de production Jean Garetto. Parmi les faits divers qui nous ont été adressés récemment, il en est un qui nous a paru particulièrement curieux. Il semble, au premier abord, difficile d'en tirer une histoire valable. Mais après tout, pourquoi pas? Nos auteurs font preuve chaque semaine de tant d'imagination. Il a néanmoins retenu notre attention par son originalité. Il est extrait du Progrès de Lyon. Le voici. Dans un village, la fête touchait à sa fin et le patron du manège, la Chenille, s'apprêtait à fermer son manège après avoir envoyé son commis se coucher. Quand une noce arriva, voulant finir joyeusement la nuit, et décida de faire un tour de chenille. Le patron mit en marche et monta auprès de ses clients pour encaisser, oubliant qu'il était seul. Le manège prit de la vitesse. Ce n'est qu'au bout d'un moment que le patron pensa que personne n'était là pour arrêter le manège. Les autres forains étaient partis. Ce n'est qu'au petit jour qu'on vint les délivrer. Voilà une nuit de noces qui marquera certainement dans l'esprit des nouveaux époux. Et que dire de cette nouvelle peu banale, mais aux conséquences plus tragiques, qui est transmise de Brooklyn, aux USA, et que nous adresse M. Marcel Aubé à Brest. Dans une partie comptant pour le titre des poids lourds, Joe Baxt a été battu hier au 10e round par Bob Baker de Pittsburgh. En constatant la défaite de Basquet, son manager Leo Furensein s'est écroulé devant le ring. Transporté précipitamment au vestiaire, il y est mort malgré les soins empressés qu'il a reçus. Voilà un knock-out qui a fait des dégâts, mais le plus touché ne fut pas celui qu'on pensait. Et pour nous écarter de la teneur habituelle des faits divers, qui donnent plus souvent, hélas, dans les teintes noires que dans les teintes roses, voici une petite information assez jolie et touchante qui a été choisie par Monsieur ou Madame Quignard, à Paris. À Mirigio, près d'Aulla, en Italie, un enfant de 11 ans, Paolo Venerini, fils de fermier, s'était pris d'amitié pour un petit agneau tout blanc. Ayant entendu dire que l'agneau était devenu assez grand pour être vendu au boucher, il s'échappa un matin, l'emmenant avec lui. Pendant une journée entière, on a recherché le petit Paolo, qui ne fut retrouvé que tard dans la nuit. L'enfant était blotti dans une cabane abandonnée, serrant la petite bête entre ses bras. L'agneau ne sera pas vendu. Nous remercions tout particulièrement cette semaine de leurs aimables envois Madame A. Collet, à La Bernerie en Retz, Loire-Inférieure. Monsieur et Madame Fernand Guintoli, à Marseille. Madame Yvonne Chichon, à Marseille. Monsieur Maurice Lhôte, à Clichy-sous-Bois, Seine-et-Oise. Madame Vanaret, à Bourg-en-Bresse. Monsieur Maurice Formento, à Marseille. Madame Aimée Bonnet, à Lourmarin, dans le Vaucluse. Et Monsieur R. Sonnet, à Marseille. Le fait divers qui a été retenu en vue d'une émission ultérieure parle d'argent, tout comme celui qui a inspiré à Yvan Noé l'histoire que vous venez d'entendre. Il a paru dans le Provençal et il nous a été envoyé par M. Jean Hillel à Marseille, qui recevra la brochure dédicacée par l'auteur et les interprètes. Voici ce fait divers.
Une erreur de transmission nous a fait annoncer hier matin que le numéro 99 824 gagnait 200 000 francs dans la série A et 250 000 francs dans la série B de la 14e tranche de la Loterie Nationale, alors que c'est le numéro 00 824 qui est sorti au tirage. C'est Jean Marcillac qui a choisi ce point de départ pour construire une histoire que vous pourrez entendre prochainement. Petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures. Les livres lus par Germaine Beaumont. Il arrive que certains romans policiers suscitent, en plus de l'intérêt général, un intérêt particulier. C'est, je crois, le cas du dernier Simenon, Feu rouge, que publient les presses de la cité. Le titre indique très clairement qu'il s'agit de signalisation routière et que par conséquent, Simenon va nous emmener en automobile. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas de mauvais Simenon, mais simplement des Simenons que l'on peut aimer moins que les autres. Tel est le privilège de cet auteur exceptionnel. J'ajoute qu'il y a des Simenons tout à fait remarquables et c'est le cas de Feu rouge. Remarquable pour trois raisons. La première, c'est que ce livre constitue une manière de reportage ou de documentaire sur la circulation des voitures en Amérique au moment des grands déplacements de commencement ou de fin d'été, et particulièrement au moment où les parents vont chercher leurs enfants qui ont été passer leurs vacances dans des camps. La seconde, parce que l'intrigue policière se noue autour d'un prisonnier évadé d'un pénitencier, personnage dangereux et auquel le héros du livre, Steve, prodigue les indulgences du bourgeois pour l'aventurier, même dangereux, en lequel il incarne tous les mirages de l'indépendance. Et la troisième raison, c'est parce qu'il s'agit par-dessus tout d'un cas psychologique d'abord banal en apparence, puisqu'il s'agit des rapports entre des époux plus ou moins bien assortis, mais qui s'élève par la force des circonstances jusqu'à la tragédie antique. Car il y a place encore dans la vie moderne pour la tragédie antique. Je résumerai tout ceci brièvement en disant que le ménage Hogan, Steve et Nancy partent en automobile pour aller chercher les deux enfants du ménage qui passent leurs vacances dans un camp dans le nord de l'Amérique. Que Steve et Nancy se trouvent séparés parce que Steve veut s'arrêter pour boire de l'alcool et que Nancy, écœurée, le quitte pour continuer sa route par le car. Or, il arrive à chacun des époux séparés une terrible aventure, si terrible qu'elle doit briser leur vie à tout jamais ou la cimenter. Je n'en dirai pas plus sur ce livre qui n'est certes pas destiné aux moins de 16 ans, mais qui se classe parmi les meilleurs qu'ait écrit Simenon. Dans un tout autre ordre d'idées, je signale le second et délicieux volume de la série qui présente comme détective César Brown et sa femme Jane. Ce second volume, intitulé « César cherche le consul », est édité par Artem Fayard et il bénéficie, comme le premier, de l'excellente traduction de Jacques de Crest. Cette fois, César et Jane sont à Nice, où ils se trouvent mêlés aux étranges habitués d'une pension de famille. Le plus ancien des pensionnaires, un certain Major Arkwright, est tué par inadvertance, croit-on. Ce n'est pas l'avis de César. Le ton humoristique de la narration donne un vif agrément à ce livre qui, pour être gai, n'en est pas moins construit dans les meilleures traditions du roman policier classique. Voilà un livre à emporter en vacances, mais en prenant bien soin de le rapporter. Les spectacles vus par Roger Régent. Cette semaine, sur le front du suspense, c'est le calme plat. Quelques engagements ici et là, mais rien d'important, on peut dormir sur ses deux oreilles. Le meilleur film de ces 7 jours, c'est encore cette comédie dramatique anglaise qui a pour titre « Je vois un sombre espion », histoire traditionnelle de l'anglophobie irlandaise. Par haine des Britanniques, Bridy, une jeune fanatique de Dublin, aide un inconnu à échapper à la police de Sa Majesté, et la voici conspirant contre la Grande-Bretagne. Mais lorsqu'elle prend conscience que son action sert l'Allemagne hitlérienne,
et que le secret qu'elle détient peut entraîner la mort de milliers d'hommes, elle change de camp. Elle épousera même, pour finir, un officier de l'armée anglaise. En dépit de quelques complaisances envers la vraisemblance et la logique, ce film de Frank Lautner est amusant, bien fait et assez bien joué par Trevor Howard et Deborah Kerr. Malheureusement, en y regardant de près, on s'aperçoit que Je vois un sombre espion est ni plus ni moins un film déjà projeté en France il y a 6 ans sous le titre L'étrange aventurière. Le titre original anglais de cette œuvre est I see a dark stranger. Je vois un sombre étranger. Évidemment, cela n'enlève rien à la qualité de l'ouvrage, mais je ne trouve pas que le procédé soit très honnête. Les spectateurs qui ont vu naguère L'étrange aventurière et qui vont aujourd'hui dans les salles où l'on passe Je vois un sombre espion, sans pouvoir soupçonner un instant, bien entendu, qu'il s'agit du même film, eh bien, je comprends que ces spectateurs ne soient pas très contents. Mais à tous ceux qui ne connaissent pas L'étrange aventurière, on peut conseiller Je vois un sombre espion. Ce n'est pas une soirée gâchée. Laissons maintenant l'espionnage et allons vers le policier. Voici La galerie du mystère. C'est une histoire pas très nouvelle et qui n'est pas non plus réalisée avec une grande maîtrise. Mais le cadre est intéressant et nous change agréablement des tueurs traditionnels du cinéma. Ce que l'on vole, ce n'est plus des plans secrets ni des lingots d'or, mais des Léonard de Vinci. Nos gangsters sont délicats. C'est ainsi que nous voyons la Vierge à l'enfant se promener de main en main avant de regagner son cadre. La plupart des scènes sont tournées à la Tate Gallery, à Londres, et on regrette que le film soit en noir et blanc, car les cinéastes anglais sont ceux qui savent le mieux employer la couleur et avec le plus de goût. Le principal interprète, Denis O'Keefe, ressemble beaucoup dans ce film à notre Lemmy Caution national, Eddie Constantine. Enfin, sur le front de l'aventure, une bonne vieille imagerie populaire, les bagnards de Botany Bay, de John Farrow. La marine en bois du XVIIIe siècle, un capitaine tyran, un bagnard innocent, une belle ingénue dans la voilure et l'accostage dans une île paradisiaque des mers du Sud. Vous le voyez, rien ne manque dans le paysage. Cela ne surmène pas notre intelligence, mais si l'on aime ce bon sucre d'orge de l'aventure, on ne s'ennuie pas du tout avec ces bagnards de Botany Bay. Les échos recueillis par Maurice Renaud. Le dernier prix littéraire policier de la saison a été décerné le 2 juin. Il s'agit du grand prix du roman d'aventure fondé il y a 24 ans par Albert Pigasse, créateur de la célèbre collection Le Masque. Je rappellerai à ce propos que mon ami et complice Pierre Véry, qui vous annoncera tout à l'heure notre prochain programme, fut le premier lauréat de ce prix en 1930. La lutte fut chaude cette année. Après un nombre de tours de scrutin à faire pâlir une élection présidentielle, chaque juré restant inflexiblement sur ses positions, il fut décidé, exceptionnellement, de partager le prix entre les deux candidats les plus favorisés et qui, sans obtenir la majorité, recueillaient à chaque fois un nombre égal de voix. Les deux élus sont M. Maurice Bastide pour son roman « Réactions en chaîne » et M. Maurice Charles Renard pour « L'inconnu des îles ». Avec le premier de ces auteurs, nous comptons un authentique professionnel. Maurice Bastide est en effet commissaire principal de la Sûreté nationale. Il serait donc surprenant que des lecteurs pointilleux puissent découvrir dans son texte quelques-unes de ces petites inexactitudes techniques qui échappent parfois aux romanciers non praticiens. Quant à Maurice Charles Renard, qui n'a, précisons-le, aucun lien de parenté avec le défunt romancier Maurice Renard, il compte déjà à son actif plusieurs centaines de contes publiés dans de nombreux quotidiens et plusieurs romans écrits seuls ou en collaboration, ainsi que 2 ouvrages d'histoire. L'histoire que vous pourrez entendre mardi prochain a été inspirée par le fait divers suivant, paru dans la Nouvelle République de Bordeaux et du Sud-Ouest. Entre Amsterdam et La Haye, un voyageur qui avait pris place dans un rapide aperçut un enfant qui s'était risqué imprudemment sur la glace d'une pièce d'eau gelée et qui se débattait prêt à s'engloutir dans une crevasse. Le voyageur, sans perdre un instant, tira la sonnette d'alarme, puis, le convoi étant stoppé, se précipita et ramena l'enfant évanoui dans ses bras. Cette histoire, qui est de Jean Frappa, est intitulée « Page, mon beau Page ». C'est là un titre curieux, je vous l'accorde. Mais l'histoire, nous pouvons vous l'assurer, est bien plus curieuse encore, ainsi que vous pourrez en juger la semaine prochaine.
La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renault, réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous avez pu entendre Le mouton enragé, une histoire radiophonique d'Yvan Noé, et Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Nous rappelons à nos auditeurs que le courrier concernant cette émission est à adresser à Émission Faits divers, Radiodiffusion française, 107 rue de Grenelle, Paris 7e.